Oui, Bangalore, c'est un album qui est issu d'un séjour en Inde, dans la ville de Bangalore, qui a duré 4 ans, entre 2013 et 2017. Et c'est une tentative de chroniquer l'espace urbain en tant que territoire graphique, mais aussi anecdotique et narratif. Donc j'ai observé pendant plusieurs mois, le jour, la nuit, des scénettes, des activités de rue, et je les ai dessinées sous forme de pleines pages assez foisonnantes et détaillées qui tentent de décrire les décors, les gens, les lumières, voilà. C'est un terme qui est un peu glissant quand on s'approche aux sciences humaines, à l'ethnologie. Donc on rentre dans un monde académique, universitaire, donc c'est très délicat d'avoir une pratique artistique et interprétative du réel. Mais oui, moi je revendique aussi cet aspect, puisque c'est quand même un projet que j'ai commencé au bout de 2 ans, donc il y a un long travail en amont d'observation et de relever, de croquis, et il y a une tentative de décrire des phénomènes socioculturels propres à ce pays. Donc, dans ce sens-là, on peut peut-être parler d'ethno. C'est difficile de séparer le travail de recherche, d'imprégnation, donc d'observation, de dessin, du moment où c'était clairement défini comme une bande dessinée à apparaître. Donc c'est très lié. D'ailleurs, il y a beaucoup de dessins dans le livre qui sont issus de croquis faits sur le vif. Donc ça s'est mis en place au bout du moment où j'avais une série d'illustrations assez détaillées. J'avais envie de les faire bouger, d'en extraire des personnages, de raconter par la séquence ce qui leur était arrivé avant l'illustration. C'est difficile de faire un choix. Déjà, les 24, parce que c'est 24 scénettes qui correspondent à 24 heures, elles ont fait l'objet d'un tri. Et j'avais beaucoup de matériel et j'ai dû faire des choix, donc composer avec une certaine image que j'avais envie de faire passer dans le livre, mais peut-être celle de Soussou. Donc Soussou, ça veut dire, c'est l'action d'uriner. Et celle-là m'avait beaucoup amusé le jour où j'ai appris que les divinités qui étaient peintes ou collées sur les murs, elles étaient là pour éviter que les gens se soulagent, et elles sont plus efficaces que la mise en garde d'une amende. Et celle-là, elle est un peu... elle a été inventée, parce que je n'ai pas vu le gars qui peignait, mais je l'ai imaginé à partir de ce qu'on m'avait raconté. Donc, ouais. C'est le portrait d'une ville, donc Bangalore, c'est pour ça qu'il a été titré du nom de la ville, pour assumer ce rôle principal de l'espace urbain, ce qui devient vraiment un personnage. Et donc il y a cette tentative d'explorer le territoire par ces différents lieux, mais aussi par le temps. La temporalité, elle joue un rôle très important dans un pays où il y a un grand, même partout ailleurs, mais il y a quand même un grand contraste entre ce qui se passe le jour et ce qui se passe la nuit. Donc pour rendre cette temporalité plus claire d'un point de vue graphique avec le changement de lumière et les ombres, le nombre de personnages qu'on peut voir dans les rues, j'ai utilisé cette temporalité de 24 heures, mais sans vraiment le noter, l'expliciter, c'est assez induit. C'est juste suggéré par des titres de chapitres, matinée, après-midi, soirée, nuit. J'ai essayé d'éviter de tomber dans l'écueil du carnetiste de voyage qui raconte son expérience personnelle et qui l'a fait passer, qui montre tout ce qui est vécu et observé à travers le filtre de son expérience personnelle. Mais en même temps, je voulais pas non plus fuir ce rapport subjectif au réel en ne me mettant pas en scène. Du coup, là, ça place vraiment le lecteur dans une sorte d'objectivité. Donc voilà, c'est un entre-deux. Aussi parce que des fois, j'étais nécessaire à la compréhension d'une situation par le décalage que le fait d'être occidental créait. J'ai toujours mis un point d'honneur à dessiner, construire le dessin sur place, parce qu'on ne construit pas du tout un dessin de la même façon si l'on est en face du sujet ou si on travaille d'après photo. Et aussi parce que c'était ce temps d'imprégnation, d'observation, de contact avec le réel qui devait durer entre 3 et 5 heures en fonction de la technicité de ce que je dessinais. Donc il y a cette phase-là, et puis après il y a toute la phase en atelier
affiner la compo, la typographie, créer les personnages, créer les scènes, les interactions entre les personnages. Et ça, ça pouvait aller de 1 à 2 jours. Donc en gros, total, on est entre 2 et 3 jours par pleine page, selon l'urgence avec laquelle je devais les produire. Parce qu'à la fin, il fallait en dessiner beaucoup. Ben oui, il y a forcément une curiosité. Mais ça, cette curiosité, on peut la retrouver ici, en France, quand on dessine, on attire la curiosité de certaines personnes. Là, ce qui était intéressant, c'était de constater qu'en fait, le dessin, en tant qu'outil d'observation, de retranscription du réel, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Donc parfois, il pouvait s'écouler une heure ou deux avant que les spectateurs du moment dessiné réalisent qu'il y avait un lien entre quelque chose d'observé et de retranscrit. Et du coup, il y avait un jeu d'identification des éléments qui se mettaient en place. C'est déjà en cours. Ça fait à peu près un an et demi que j'ai entrepris un travail un peu plus aussi sur l'Inde, qui a ses racines au moment où je vivais là-bas. Et c'est l'observation d'un chantier de construction. Donc c'est un peu un zoom d'une des thématiques de l'album, qui là, c'est une première prise de contact avec la ville de Bangalore. Mais le deuxième, c'est vraiment un sujet beaucoup plus développé. Donc c'est un chantier, c'est un chantier de construction avec des travailleurs qui vivent sur place et toute une dynamique narrative hyper intéressante. Et aussi, c'est un sujet qui porte énormément d'enjeux de l'Inde contemporaine, comme les travailleurs migrants, tout un tas de phénomènes culturels liés au quotidien de ces gens. Voilà. Comme les castes, comme les différentes communautés religieuses, musulmanes, hindous, donc tout ça se cohabite, c'est un peu un microcosme de l'Inde qu'on peut observer à la loupe dans ce chantier. Et j'en fais le récit à partir d'un matériel documentaire collecté pendant à peu près un an avec une traductrice sur place, et après retravailler comme une patte en fiction. On peut parler de docu-fiction.